Nous allons vivre une très grande histoire d'amour. C'est vrai que Giacometti, bonsoir, je me présente. Moi, c'est étonnant, hein, dans le jargon du tiercé, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de faux départ, hein, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un roman de Marc Lévy, hein, qu'on aurait offert à un antisémite, hein, amateur de grande littérature, que du coup, évidemment, personne ne finit jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie, hein, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi, hein, que moi aussi physiquement, hein, du fait de ce petit côté DSK, hein, que vous donne vos sourcils noirs et vos cheveux poivre et sale, et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre ce bon vieux Georges Pernoud, hein, de l'incontournable émission de Thalassa, et cet homme politique et adorateur de gros orteils et autres voûtes plantaires, hein, qui est ce bon vieux pervers de Georges III. Hein, et bien malgré ce petit ascendant garde à vue, c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on rencontre un journaliste économiste, hein, qui en marche de cette activité déprimante, a réussi l'exploit, hein, de devenir depuis 7 ans une sorte de Dan Brown, hein, de proximité, hein, se spécialisant dans le roman ésotérique, hein, puisqu'après avoir vendu plus d'un million d'exemplaires et après avoir été traduit dans pas moins de 15 pays, hein, ce qui en termes de droits d'auteur, hein, a commencé à être sympa, comme on dit. Et bien vous revenez aujourd'hui, hein, avec Le Temple Noir, hein, le nouveau volet des aventures d'Antoine Marcas, hein, votre héros fétiche, hein, commissaire le jour et franc-maçon la nuit, hein, une fascination, hein, pour cette société secrète, hein, dont l'objectif est normalement, hein, de vrai pour le bien commun, qui vous a poussé à enquêter dans les années 90, hein, sur les dérives maçonniques sur la Côte d'Azur, une belle région PACA, hein, dans laquelle, il faut bien l'avouer, les dérives, hein, aussi bien maçonniques que xénophobes, hein, sont monnaie courante, un vaste sujet, hein, sur lequel, croyez-moi, je connais hélas un rayon, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, hein, ayant été élevé à Marignane, hein, véritable berceau de la flamette tricolore, hein, par un père, hein, qui en sa qualité de CRS a toujours voué un culte sans limite, hein, cette société aussi secrète que mythique, hein, qu'est le Kukuxpla, et bien, je peux vous dire que là, c'est pour mes petits amis, hein, ascendant aux Vaumaltines, hein, comme on dit au Front National, et bien croyez-moi que mon père et ses amis de ratonnade, hein, là, sont souvent œuvrés, hein, pour le bien commun, hein, comme on dit chez les francs-maçons. Et à propos de bien commun, justement, hein, j'ai découvert que vous avez enquêté sur la question des spoliations sous l'occupation, hein, ces biens et ces richesses, hein, ont été scandaleusement dépossédés des millions de juifs, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, des actes aussi odieux, hein, qui restent souvent impunis, hein, sans lesquels, cela dit, hein, il faut bien le reconnaître, mon arrière-grand-père et son petit salaire, hein, de conducteur de train, hein, n'auraient probablement jamais eu les moyens de connaître les joies des résidences secondaires, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en parlant de... À peine. En parlant de se faire déposséder, justement, hein, n'ayant malheureusement jamais eu la chance, hein, de trouver aucun homme extérieur à mon cercle familial, hein, prêt à venir piller mon butin, comme on dit, de ce fait, hein, sachez que si l'auteur a succès qui est en vous, hein, est prêt à s'attaquer à un sujet aussi obscur qu'impénétrable, eh bien, autant vous dire, hein, que ma société occulte et moi-même serions absolument ravis, hein, à l'idée de vous laisser percer tous nos secrets, hein, si vous m'autorisez la métaphore, hein, sur ces petites confidences. Hein, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, je vais tenter ma chance en Angleterre, hein, où le tournoi de Wimbledon a commencé depuis 3 jours. Hein, donc, c'est comme moi, le gazon de l'amour, plutôt. Qu'elle soit finalement celui de se faire enfin fouler, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Move. Non, c'est le vent à vos